Cette fois-ci, je me mets à poil, je pose mes couilles sur la table et je vous emmène à la pêche. Votre mission, c'est de me trouver un challenge. Ma mission, c'est de le relever. J'espère que vous êtes prêts, les gars, parce que moi, je le suis. Salut tout le monde, on se retrouve pour Mission Impossible numéro 6. Donc le défi que vous m'avez fixé, enfin les défis plutôt, parce qu'on a fait une combinaison de 3 challenges, c'est d'attraper 5 brochets maillés. Après le troisième, je change la manivelle de côté, et après le quatrième, ce sera les yeux bandés, voilà, à la Gilbert Montagnier. Donc on va commencer, je suis venu sur le lac Léman, en baie de Genève. Ça aurait peut-être été plus pratique que d'aller à Annecy, mais je cherchais, en fait, comme j'ai pas le droit au moteur électrique, au sondeur, je cherchais une topo un peu plate pour pas avoir besoin de précision dans les dérives. Donc au pire, j'ai pris une ancre flottante. Bon, il n'y a pas de vent, on a de la chance. Et puis j'ai pris un poids de barque, quoi, que j'ai toujours dans le bateau. À l'ancienne. Voilà. Comme appelé que au vif. J'ai pêché longtemps comme ça, donc ça me dérange pas. Voilà. Donc on va se la tenter, pas de moteur, pas de sondeur. Le lac, il y a le bout du lac, enfin la baie, là, l'exutoire est assez plat. Allez, ça pêche de 5-6 mètres au bord jusqu'à une quinzaine de mètres dans le milieu et ça remonte légèrement. 2-3 structures, mais on va pêcher un petit peu en aveugle. Allez, c'est parti, on va se mettre donc au hasard à quelques centaines de mètres du bord pour prendre la température. C'est même le vif, c'est même pas ton bateau. Non, c'est le bateau de Quentin, mon pote. Voilà. Donc on a un bateau plus petit et pas de sondeur, pas de moteur. Ouais. Voilà. Comme ça. On peut pas tricher. Un petit thermique, mais on aurait pu venir à la rame depuis le bord, je pense. Il n'y a pas d'anti-sèche de planqué. La prochaine fois, on l'a fait en pédalo. C'est ça, exactement. En kayak ou en flotte-tube. Après, je peux plus faire un paddle. Je tiens pas là-dessus, moi. Il est soufflé au bout de 100 mètres. Voilà. Et un flotte-tube, je rentre pas dedans, donc ça c'est plié. Ouais, ils doivent en faire des gros maintenant. Oui. Sinon, chez Fox, on fait des zodiacs de 2 mètres. Tu peux mettre ton cul dedans, ça marchera. Ouais. Ça fera flotte-tube. On essaiera ça. Allez, à la pêche. Allez, cochon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, il s'est passé que j'ai eu une touche. Ouais, mais je l'ai pas filmé parce que t'as été tellement rapide que premier lancé. Bah, j'ai pas attendu non plus, ça servait à rien. C'est pas gros, mais c'est le premier. C'est maillé. Sur un Prochat 18 Natural Perch. Allez, sauve-toi. Le type, premier lancé, sans moteur, sans rien, parce qu'on prouve bien, il n'y a pas de moteur, on dérive. Il y a dedans. Alors, hop, là le leurre. Et le petit broc qui va avec. Ah bien, tonton. Allez, et 2-1. Oh, bah voilà, ça fait. Bon, bah, encore 4. Bah ouais. C'est les plus faciles, ceux-là. les 3 premiers. C'est clair. Donc là, on a fait un premier stop. Donc je quadrille un peu, là. Je fais des lancers en étoile dans tous les sens, un peu entre deux eaux, un peu au fond. Ça permet de voir s'il n'y a pas un poisson... un peu actif autour, et puis je vais faire des sauts de puce, je vais tous les 200-300 mètres en essayant de trouver une zone qui va être un peu plus porteuse. Il n'y a pas de vent, donc on a zéro dérive. Donc la seule option là, c'est de pour couvrir un peu de terrain, vu qu'on est sur une partie un peu plate, c'est de faire en étoile autour. Je vais essayer un petit peu plus près du bord dans moins d'eau, un peu milieu et puis un petit peu plus loin. Essayer d'isoler une profondeur où ils sont un peu plus qu'à une autre. Et puis après, la hauteur d'eau, eh ben, ce sera en fonction des touches, s'il y en a. Voilà, il y en a eu une tout de suite. J'étais pas prêt. Voilà. Et là, j'ai refait une dizaine de lancers, il ne se passe rien. Donc on va bouger légèrement.
Alors, j'ai fait la touche en pêchant avec un Prochat 18 Natural Perch sur 25 grammes, je crois, avec un stinger, un petit triple, enfin un triple sur le dos, c'est tout. Ça évite de trop les abîmer. Voilà, le montage, c'est ça. Tac. Un triple Redge, là, téflonné. Une tête de 20 grammes, une corkscrew en fait, et le Prochat. Voilà. Et en canne, j'ai la Swim and Soft. Donc c'est une canne qui est relativement rigide, qui convient bien pour ce genre de pêche, ni vraiment forte, ni vraiment fine. Soit lourd, soit léger. Soit lourd, soit léger. Voilà. Donc on va bouger un peu là. À la rame. Parce que voilà, vous êtes témoin. Avec sa bite et son couteau et son Prochat. C'est pas grave. On va y arriver. Voilà, tant qu'il n'y a pas de navigation, on risque pas de percuter des gens, mais à un moment donné, il va pas falloir prendre des autoroutes. Ça va aller. Sinon, tu peux le faire au thermique. Hein. Bah, la traîne est autorisée au Léman. Ça doit être un des... Mais pas dans le défi. Voilà. Non, c'est pas dit. Non, je non, peux non. Très bien traîner. Non. Bah, si, c'est pas non. dit. Non. Pardon, mais si c'est pas énoncé clairement, moi, je peux interpréter comme je veux. C'est ça. Ouais. Bah, la traîne, ça risquerait de, ouais, peut-être d'aller un peu plus vite. Bref, allez, on bouge. Il se passe que au premier démarrage, j'ai plus de batterie de thermique. Donc pour l'instant, ça ressemble à un défi sans thermique, sans bateau. Quoi. Sans bateau, quoi. On peut le dire. On va faire le léman du bord. Voilà. Allez. Non, mais c'est pas drôle. Puis là, j'ai pas de plan B là. Mayday, mayday, mayday. Non, il n'y a pas de jus. T'as touché à quelque chose au niveau de la batterie? Ah ouais, j'ai fait plein de bidouillages pour mettre ma GoPro. Non, mais comme t'as branché tes merdes là. Ouais, c'est ça en fait. Bah, j'ai l'impression parce qu'avant ça marchait bien, donc je vois pas de. Mayday! Mayday! Une batterie là-dedans? Mayday! Y a pas de batterie. Si, une batterie. Coup de fil à un ami, on appelle Calmont pour te remarquer. J'ai pas d'amis. Non mais finalement j'aime bien ici, on va rester là. On va aller prendre là. Forcément. Ben, on va faire la journée là. Bon, on va bien réussir à se faire pousser là-bas jusqu'à Genève avec le vent. Il y a pas de vent ce en plus. Soir. Putain. Oh, c'est beau quand ça marche. Faux contact. Ouais, c'était un faux contact. Heureusement que j'étais là pour bidouiller au bazar. T'as que ça à faire en même temps. Ouais. Faut que je te dise merci aussi, non? Bah ouais. Allez, un autre saut de puce. Donc là, on fait quoi? Là, on va où? Là, je me suis rapproché du bord pour voir, il n'y avait pas de touche. J'ai pris un poisson, le premier poisson, je pense qu'il y avait une petite dizaine de mètres. Après, je me suis décalé, il devait y avoir 7, j'ai rien pris. Donc là, je vais me décaler, je vais essayer de trouver 13-14. Comme ça me fait un peu encadrer la profondeur classique qui est de 8-12 mètres, on va dire. Donc j'encadre, voilà. Je veux voir si les poissons sont un peu moins creux, un peu plus creux. Parce que j'ai pas envie d'y passer ma vie. Quoi? Dans le noir. T'éloignes quand même peut-être pas trop du bord, parce que je suis quand même pas sûr que ça soit un faux contact quand même. Hein. Tu vas nager. Il y a une toute petite brise qui s'est levée, ça va être parfait. Ça va nous pousser gentiment. Puis si ça se lève encore, bah, je mettrai l'ancre flottante. Et le poids, je suis pas sûr, ça dépend de la longueur de corde que j'ai. Dans 20 mètres, je suis pas sûr que ça va servir à quelque chose. Dans 20 mètres, ça va être un peu. Ça va peut-être ralentir le bateau. Non, j'ai une vingtaine de mètres de corde. Ça va aller. L'avantage, c'est la rapidité d'action. Ouais, t'as pas de. Je coupe, tac, je prends mon leurre, je pêche. Ouais, t'as pas d'électrique à mettre. Non, il y a ça, et puis c'est quand même vachement plus discret. Il n'y a pas les bruits de la sonde, il n'y a pas les bruits du moteur électrique. Et notamment cette partie du lac, elle a été harcelée tout l'été, il y a eu énormément de pêcheurs. Donc je pense que c'est pas plus mal d'être discret aussi des fois. Il y a toujours des petits moments de doute dans Mission Impossible, hein, c'est le principe. Alors là, je suis en plein doute. Parce qu'on a pris qu'un poisson, ça fait une grosse heure, je pense, qu'on pêche. Et on a pris qu'un poisson. Et surtout, j'ai pas eu d'autres touches, donc j'ai pas eu d'autres indices pour me dire que j'étais sur la bonne voie. Donc ça veut peut-être dire que je suis sur la mauvaise.
Donc bon, on insiste un petit peu là, parce que c'était un impératif à midi, alors on peut pas aller sur les bons postes. Hein. Merci. Et on va quand même essayer de faire le deuxième là, ce serait bien. Hop. Non mais c'est surtout que du coup j'arrive pas à mettre au point mort. C'est un moteur autonome, il fait ce qu'il veut en fait. Là, ça bouge un peu là. Il est bègue. Mais non mais... Le moteur bègue. Il veut pas. Hein. C'est lui qui choisit où on va. Je te laisse faire. Il va finir par s'étouffer je pense. Ah bah voilà, il a calé. C'est qui redémarre. Ah bah non, parce qu'il n'y a plus de jus du tout. Et bah voilà. Et bah là, on est pas mal en fait. On n'a plus de moteur, on n'a plus de choix. Putain, on va pêcher là, tiens. C'est quoi en fait, on est où là? Là, on est au milieu de rien. Et pourquoi? Bon, comme ça, je trouve que c'est beau. C'est le moteur qui a... Il a choisi où on s'est arrêté. Donc il doit avoir ses raisons. Hein. Il connaît le coin. Probablement. Tu fais quoi avec ta main là? Je donne du fil au fur et à mesure pour essayer de ne pas passer à côté d'une touche à la descente. Il y a deux options. Soit je fais ça, je donne du fil au fur et à mesure que ça descend. Parce que le problème, si tu bloques, il descend en biais. Alors déjà qu'on ne jette pas très loin par rapport à la profondeur. Si tu bloques dès que ça touche l'eau, ça va toucher le fond à 5 mètres du bateau, ce qui n'est pas le but. Parce que là, j'ai envie de pêcher un petit peu plus près du fond. Donc du coup, soit il faut que je lève en donnant du fil et que j'accompagne à la descente pour ne pas rater une touche, ou alors je donne un peu de fil comme ça à la main. C'est les deux tactiques qui permettent de garder quand même le contrôle, parce que c'est quand même un lac très clair, les poissons sont susceptibles de partir de loin pour venir le cueillir, donc il y a quand même une chance d'avoir une touche à la descente, donc il faut être bien vigilant, quasiment dès la surface jusqu'au fond. Donc ça se fait soit en levant la canne en accompagnant et en donnant du fil à chaque fois, soit en donnant régulièrement. Just wanna break from it all. Too much drama in this city life. And I'm tired of fighting. And I know you've been stressed out too. And a little getaway could be so nice. Nice. Oh. I got a map, let's go. And this gas money can take us somewhere. Girl, anywhere is cool with me. And we can drive all night. I'll bring the beach, you bring the wine. So what we waiting for? Let's go. Let's drive. Just me and you. Parce qu'il a, je l'ai tué à la touche, il met pas un coup de tête. Bon, faut dire, il est petit. Hein. Ah, c'est parce qu'il a la bouche pleine. Allez, sauve-toi. Bon, il compte ou il compte pas celui-là? Bah oui. C'est vrai? Bah oui, pourquoi? Bah c'est 45 quand même. Allez, sauve-toi. Ah, mais... Donc? Et bah deux. Yes. Ça va se compliquer après. Après le troisième, j'ai moins rire. Ouais, déjà, ouais. tu feras moins de figure de style en lançant. C'est ça. Bon alors ? Bah, on est pas mal, là, c'est un bon spot. Non, je sais pas, j'ai plus de jus. Ah. Oh, mais c'est vraiment... En fait, mission, le titre est super bien trouvé. C'est à chaque fois, c'est une mission, effectivement. Galère. Mission galère. Oh non ! J'ai identifié le problème. C'était quoi ce... C'est quand j'y touche. Bim ! C'est qui le papa ? Ah ! Il tourne comme une horloge. Faut savoir lui parler, c'est tout. C'est tout, c'est ça. Comme les femmes. Ouais !
Alors on n'a fait pas grand chose au bout de la baie, donc c'est dommage parce que le profil plat s'y prêtait bien. Donc là j'essaye un second poste qui est un petit peu plus pentu, sur lequel j'espère trouver des poissons, parce qu'en fait le vent vient pas encore trop mal. Il faudra qu'on se recalme et pas tant. Donc voilà, en fonction de cette dérive, de cette première dérive qu'on va faire, je vais me recaler vraiment bien une deuxième fois pour passer où je pense que ça peut être bien. Bon, là c'est du leurre souple en linéaire. Là c'est du c'est un répliquant, un swimbait donc. Et puis j'ai toujours mon prochat de monter. Pour l'instant j'ai fait un poisson sur chaque. Donc voilà. Je vois des coloris clairs quand même. Ouais, bah c'est eau claire, temps très très lumineux et puis pas de vent. Là, il y a une toute petite ride qui vient de se mettre, mais dans ces conditions-là, les coloris translucides sont quand même au-dessus du lot en général. Bon, on ne dérive pas vraiment comme il faut, donc je vais mettre un poids à l'ancienne. Je vais mettre de ce côté-là. Hop. Normalement, là, quand j'arrive au bout de la corde, je la lâche et j'ai perdu un poids. Ce serait bien la première fois que je perdrais du poids d'ailleurs. Ça me ferait pas de mal. Hop. Je sais pas combien il y a d'eau d'ailleurs. Peut-être 8. Ah, même pas. Je vais avoir 6 peut-être. On laisse un peu de mou. Hop. Touche-le bien parce que je sais pas pourquoi, mais. Mais non. J'arrive pas à dériver comme je veux, le poids ça va, c'est pas terrible quand même. On s'habitue en fait à bouger, donc on va essayer de mettre l'ancre, ancre flottante. C'est tout simplement un sac. Hein. Comme toi. C'est ça. Un gros sac, à la dérive. La différence entre le gendre et une ancre flottante aujourd'hui, aucune. Il y en a pas. C'est un gros sac à la dérive. Comme tout va bien, elle dérive à la même vitesse que nous. Putain. Allez, c'est pas grave. Si, ça va se tendre à un moment donné. J'aimerais bien que ça se tende au bout de la canne. Ouais. T'as de la place un encore bon sur coup. Ton taquet là. C'est bon, bah, il s'est fait pour. Hein. Il y a du monde là, t'as combien de trucs? Bah, 2. T'as une bourriche aussi avec. Non, les nasses, c'est pas moi. C'est pas toi. Effectivement, on est efficace. Bon, c'est une dérive inerte. C'est une dérive inerte. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Sinon, je peux mettre mes canettes de bière là-dedans. Elles seront fraîches. Ah, ça y est, regarde, ça se tend, ça y est. Ouais, vite fait. Si, ça va le faire. Faut tirer un petit coup dessus, un petit coup sec. Ouais, faut la tendre un coup. Regarde, je l'anime. Putain. Oh la vache. Tout ça pour faire une dérive alors que j'ai le moteur qu'elle bah a. Ouais, t'as tout ce qu'il faut, mais. Donc je vous remercie tous de m'avoir gâché ma journée. C'est ça. C'est excessivement c'est sympathique. Ça faisait un mois que j'avais pas pêché, bah là je suis pas déçu. Hein. Ah, ça y est, regarde. Telle une belle. Ah, bah voilà, une méduse. Une belle méduse. Une méduse némanique. C'est ça. Bah, on bouge, on n'a rien pris. Une jolie touche ratée et un poisson qui est venu tourner autour du leurre, qui m'a laissé une écaille sur chaque branche. Donc du coup, on va aller voir ce qui se passe en face. Bizarre, hein, ça mord pas. Et ça te fait rire. Oui, complètement, oui. Je t'aime dans le dur. Le repère parce que j'ai pris deux petites touches qui ont du mal à se concrétiser, donc on va poser un repère. Ça permet de bien visualiser où on est, comment on dérive, etc.
même si là avec l'encre flottante on a quand même un axe qui est bien. Alors maintenant je vais te montrer comment on attrape le repère avec l'encre flottante. Tu vas voir, ça va être magnifique, ça s'appelle un fail. Oh putain, le type, elle va pile poil dedans. Ah, regarde. Oui. Oh non. Mais non. Ah, elle va se branler dedans. Et voilà. Oh, non. Maintenant, j'ai plus qu'à tout retirer. Non, on va passer à côté, regarde. Tu crois? Mais bien sûr, c'est calculé. Tu crois que je suis un amateur? Attends, ou quoi, et puis en plus, attends, c'est un repère Fox. Bien sûr. Non, mais tu me prends pour un amateur? Regarde. Il va couler. Plouf. Alors c'est à ne pas reproduire à la maison. Hein. Regarde, il se débine. Mais non, je te dis que c'est bon. Ah, tu crois qu'il a passé? Mais oui, c'est fait pour, attends. Oh la vache, le type. C'est à ça qu'on reconnaît un peu la dextérité, l'expérience. Bon, t'es dans le dur là. Ouais. Ouais, je comprends pas trop, il n'y a pas de touche. Très peu. Et là, cet après-midi, le peu de touche qu'il y a, ça se concrétise pas, c'est juste des tout petits contacts. Des poissons qui suivent, je sens le leurre qui tac d'un seul coup qui se met à plat, mais j'ai pas de vraie touche franche là pour le moment. Donc on va sûrement retourner où on était ce matin là, c'était plutôt. Je pense que ça va mieux s'y prêter. Alors, eh ben, la touche tant attendue est enfin arrivée. C'est un beau poisson. Wow. Il va bouger. Oui, ça c'est pas bon. Ça c'est meilleur. Allez, rentre gros. Gros sac. Bon, ben voilà. Beau petit stop. Pas très loin du bateau. Donc c'est le troisième. Ah, c'est là. Maintenant ça va être rigolo. Parce que celui-là... Celui-là, les yeux bandés. Ah, du coup, tu jettes le repère? Ouais, au moins avoir un petit repère visuel. Après, on a dérivé le temps que je le prenne, mais voilà quoi. Allez hop, c'est un 90, je pense. Aïe. Ah bah non. Alors. Attends. On va tailler ça comme il faut. J'en ai plein en longueur. Alors, hop. 100. Je sais pas, je vois pas. 100. 101, non, c'est pas ça? 101, il me semble, ouais. Ouais, c'est ça, 101. Bah, 101. C'est très bien. Eh bah, très bien. Bon, bah, écoute. Tout bon? 100 sondeurs. Allez, bah, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Non. Super poisson. Clair. On va le remettre à l'eau. Yes! Eh ben ça c'est fait. On a la douleur un peu quand même. Ouais. Je l'ai fait en cranquant un répliquant, 18 cm, entre deux eaux. Ok. Depuis ce matin, j'essaie de prendre un beau poisson en faisant ça et c'était difficile. Il n'y avait pas de touche et enfin elle est arrivée. Voilà maintenant. Maintenant j'ai changé de combo. Il t'en reste deux à faire. Ouais. Sauf que. Donc je change la manivelle de côté, je vais mouliner à droite. J'arrive déjà pas à faire le mouvement. Bah non, lancer ça va. Lancer ça va, mais ça on va verra. Être... Bah, c'est le premier lancer qui va être drôle. Allez. Bon, attention là, tous aux abris. Ça va. Tu tiens pas celui-là, parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que... C'était pas très smooth. Hein. Ouais, non, je sens que... J'espère que t'as mis de la grosse tresse, parce que là, ça sent le pétage de... Ça sent le ferrage un peu fort parce que ouais. Je suis gaucher. Ouais. Ça va, ça, c'est smoothie là. Bah là pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de touche, ça va. Tu n'as aucune allure de ce côté-là, ça fait vraiment bizarre. Là, on va remonter vers le repère, même plus haut. On peut pas dire que ce soit un vrai plan. J'ai pris une touche, c'est pas un vrai plan, mais au moins, on va remonter plus haut dans la dérive, dans des profondeurs similaires. Il y a déjà un bateau sur mon repère, alors on va aller plus loin, un peu plus haut, sur la dérive. Mmh.
Quand j'aurai bien confiance, je vais faire une belle perruque. C'est ça en fait. J'ai dit bouge pas! Sbam! Répliquant Natural Pike. Avec la manivelle à droite! Yes! Et ben voilà, ça c'est fait! Impec! Petite photo? Alors ça fait quoi à l'envers? Et ben c'est pareil! C'est exactement pareil! Et ben 80, tout pile! Bim! Ouais! Ça c'est fait. Hop. Allez. Bascule. Bam. Maintenant ça va être drôle. Ouais. Alors là maintenant, la mission c'est d'être de premièrement de ne pas être percuté, d'être en sécurité. T'es le type à falloir qui. Bah tu te plaignais d'avoir les soleils dans les yeux. Bah là je vais plus l'avoir. Là c'est mort. Par contre, tu m'arrêtes à la nuit parce que je vais pas m'en rendre compte. Hein. Je te laisse là. Alors mon gars, tu te démerdes, hein. Je suis pas chien d'aveugle. Allez. Je suis pas un labrador. Chien, oui. Chien, oui, mais labrador, non. Alors. Allez. Il est où mon petit chador? Alors. C'est là que. T'as bien sanglé ton là, gilet. Les atteignants s'atteignir. Voilà, à mon avis, il va falloir que t'enlèves tes. Eh ben, tu sais quoi, je vais le faire en manivelle à droite. Sérieux? Ah ouais, pourquoi pas. Comme tu le sens. Faut être joueur un peu. Les lunettes, je crois que j'en ai plus besoin. Non, bah non, là, pour maintenant, non. Alors, bouge pas, bouge pas. Voilà. Sauf que, là, tu vois encore, là. Ah non, que dalle. C'est vrai? Ouais, bah je vais doubler ou tripler sur les yeux. Voilà. Bon. T'es sûr? Ouais. Bah là, je vois que dalle. Aïe. Arrête. Je confirme. Arrête. Je confirme, il voit rien. Le TV va tomber, c'est en gros comme une maison. Putain. Regarde, regarde. Alors attends, il y a une vague qui arrive. Tu fais gaffe. Oh putain, le mec. Je l'entends, mais je sais pas d'où elle vient en fait. Un mec qui boit pas d'alcool. Elle arrive de derrière. On va la prendre de derrière. Oh là 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 là. Attention. C'est parti. Niveau, attention, c'est parti. Ah là, mon gars, tu vas développer l'essence là. C'est quoi, je m'amusais à le faire, enfin, pas avec un truc sur les yeux, mais il y a longtemps, quand on pêchait le sambre avec Gaël là, Gare les dents ou ailleurs, on s'amusait à pêcher les yeux fermés pour justement bien sentir quand on leur touche le fond. Enfin, en l'occurrence, c'était au manier beaucoup à l'époque, mais on faisait ça, ouais. Sous le soleil des tropiques. J'aurais dû te mettre des chaussures à scratch. Bah là. Bon voilà, on est là jusqu'à un long moment à mon avis. C'est pas sûr, des fois. Ah, j'ai mon nœud qui est rentré dans les anneaux. Ouais. Ah oui, bah oui, parce qu'il faut que je te. Oh là là là. Non mais. Non, faut que. Non mais t'es encore loin là. C'est vrai? Ah ouais. Oh putain, si t'en piques un. Non, là je suis pas loin. Ouais, non, là c'est bon. Attends. Faut que je règle la bonne longueur en fait. Allez, oh, attention les hameçons. Tu l'as à la hauteur du visage. Bah oui, mais je sais, mais je pensais qu'il était là déjà. T'es pas loin. Un petit peu devant, bah non, je me doute. Je le sens bien au bout de mon. Voilà. Oh putain. Ok, ça finira aux urgences. T'as la carte vitale suisse. Que dalle. Ça va, t'as fait un. Là, t'as laissé de l'air pour la bouche parce que. Ah, j'arrivais plus à respirer, on t'entendait plus parler. Oh là 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 là.
Ah, c'est bon. Et il y a un mec en face, il est en train de se demander pourquoi tu lui fais des grands signes. Le type, il va tomber. Putain. Non, non, je vais pas tomber. Ouais, parce que je sais que je suis à côté du. T'as un micro là. Tu veux pas reculer un peu? Faut pas que je tombe assis là-dessus, quoi. Je suis avec un aveugle, hein. Désolé. Je vais tirer dans l'autre sens. Ouais, ouais, parce que là t'as carrément un bateau qui est en train de faire demi-tour devant toi là. Bah tant pis pour lui. Déjà quand j'y vois, je suis pas forcément à droit. Bah, attention, il y a des vagues qui arrivent. 15-20 mètres, ouais, 30 mètres. 30 mètres donc à portée de lancer quoi. Ah ouais, voilà, ouais, si tu lances. Si tu lances, tu le relances dedans là. Pas que je... Il est en face de moi, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, il est carrément en face de toi, il est en train de tourner, se tourner. Bah il est en train de passer au-dessus de ton leurre là. Ah ouais. Si j'ai une touche, ça veut dire que c'est le bateau. C'est sérieux quoi. Franchement. Il en profite que je vois pas. Ouais, c'est ça, ouais. Bien vu. Un faire ça à un handicapé, je trouve ça vraiment abusé quoi. Alors, ils sont pas par là-bas, je peux y non, aller. Non, ils sont derrière toi là, c'est bon. C'est bien ce qui me semblait, mais. Toi. Ça veut... En fait, il faut faire confiance à ses oreilles. C'est ça. Et c'est pas le premier sens que tu utilises d'habitude. Non, toi, c'est plutôt le goût. Non, c'est l'estomac, moi. L'estomac, voilà, c'est ça, le oui, goût. C'est pas un sens, c'est le goût. Ouais. C'est l'estomac. Ouais. Je peux te faire une dégustation à l'aveugle. Ouais, si c'est tu veux. Ça, ouais, c'est ça. Ah là, je suis au fond. Putain, c'est. Aïe, je l'ai. Mais non ouais. Mais non. Je sais pas ce que. C'est pas gros. C'est pas gros, mais c'est dessus, ça gigote. Putain, je vais. Il faut que je le drop dans le bateau. Hein. C'est bon? C'est pas, faut que tu le décroches. Non mais je vais pas te mettre le... Ouais, attention, ça va bouger. Je vais pas te mettre le truc dans la gueule si je le pose à droite. Non, attends, je vais le un peu. Je vais le mouliner jusque dans la canne. Ouais. C'est sur ton cou, hein. Ouais, c'est bon. C'est bon? Bah ouais, vas-y, je t'attends. Ça doit pas être gros. Attention. Ouais, je l'ai entendu tomber. Yeah, yeah, yeah. Tu peux regarder? Bah non, tu le décroches sans les regarder. Ouais, je m'en fous, je veux bien. Non mais non, allez vas-y, parce que là il va me le planter dans le pied. Ah, il l'a... Ouais. C'est un petit mais il me fait plaisir. Au répliquant. Brochet. 59, ouais. Allez, 60, même 59. Ouais, 60. Je te laisse. Good. Allez, sauve-toi petit. Bon ben voilà, une super, super mission une fois de plus. On a été un petit peu dans le dur un moment, bah, principalement dû à cette idée de vouloir faire absolument des poissons comme d'habitude, avec des leurres un peu gros, un peu décollés. C'est une pêche assez irrégulière au final. Donc on aurait peut-être eu plus facile de pêcher avec des chats de 12 cm ou 15 cm dans 6-8 mètres d'eau. Mais je suis content de l'avoir fait sur les mêmes techniques que d'habitude. Voilà. Sans rien changer de la manière dont j'aurais pêché si j'avais pas eu la mission. Donc bah, merci pour le challenge. C'était vraiment super cool, vraiment bizarre. J'ai dû mettre 5 heures à prendre 3 poissons normalement et à peu près 10 minutes à en prendre avec les yeux bandés. Donc bah, voilà, c'est la pêche. C'est plein de surprises et puis ça montre aussi que l'électronique, le matériel, bah, ça fait pas tout, il faut pêcher, voilà. Et bah, je vous dis à bientôt et puis je suis pressé d'avoir mon challenge pour la prochaine. Yes, allez ciao tout le monde. Bye. Yeah.